Même si on est amis, il reste quand faut même pas que tu marches sur mon territoire, s'il te plaît. Ce classico, il a sa place, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un match spécial, tu dors pas, tu prépares comment ça va se passer. Celui qui n'a pas joué un derby, il a joué au Raja Oua, qu'il a raté ces derbys-là, c'est un musulman qui va pas à la Mecque. C'était deux familles qui partaient au foot, j'irais sur le terrain et en dehors de terrain. C'était le plus important pour moi, c'est ça. Voilà. On était toujours ensemble, les joueurs du Raja et du Oua. Et après, le lendemain, mes amis avec qui j'étais la veille, qui jouent Oua, qui vont me prendre au marquage, il est en train de faire comme ça, il avait des crampons. En faire comme ça, il me regarde même pas. Il me dit, on va se retrouver. Et après, c'est la guerre. Hein. Tu peux pas les arrêter, les supporters du Oua, ni du Raja. Hein. Il y a deux matchs, hein. Un sur le terrain et un match là-bas. Les chants ouais, c'est vrai. Des uns et des autres, du Wak, du Raja. La création de l'inspiration de ce public, elle est magnifique, elle est magique. Et c'est ça qui nous plaît. C'est que déjà, il y a un match qui se joue entre les deux supporters. Et des fois, tout de suite, on dit hop, 1-0 pour le Wydadi ou 1-0 pour le Raja. C'est une religion. C'est toute une saison. Ils préfèrent perdre le championnat, éliminer de la coupe, et ne pas perdre le derby. Hein. Pour moi, le Wydad est meilleur que le Raja, déjà, parce que nous, on a existé déjà avant. Du respect, c'est pas pour vous avez existé que vous êtes meilleur. À l'époque, nous, on jouait, on préférait. Donner du spectacle au public, on ne pensait pas trop au titre et tout ça. C'est les talonnades, les petits ponts. Le public, même si on fait match nul, n'arrive pas à marquer. Quand ils sortent, comment on finit le match, ils nous attendent pour nous applaudir. Il faut qu'on exige aux hommes pour que, même s'ils ne veulent pas de nous, il faut forcer la porte. Et après, tu apportes, tu dois donner, même gratuitement. On n'a pas besoin d'argent. Parce qu'on ne veut pas mourir avec nos idées que nous, on a appris. C'est un message, on est des messagers.